Et donc, bonjour, attendez, ouais voilà, ah c'est mieux. Bonjour à toutes et à tous, c'est la sœur, et on se retrouve pour la suite de ce... Walkthrough. Voilà, dit l'anglaise, comme on dirait. Du coup, on se retrouve pour la suite de Suikoden 2, c'est cool. Et on est toujours dans l'école, donc on va devoir se promener, je crois. Alors là, si je me souviens bien, en fait, faut aller se coucher, bien que dans le jeu on soit en pleine journée et que j'ai dormi à l'auberge. Il va falloir aller se coucher à notre... notre chambre, voilà. Je sais pas pourquoi, voilà. Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, je suis désolé, par contre, j'ai plus vos commentaires en tête et j'ai pas le temps d'aller sur Delhi là. Mais normalement, il n'y a pas de choses importantes dans les, qui va suivre dans cette vidéo, donc c'est pas grave. Mais parce que j'ai un truc à vous prévenir. Hein. Là, je dois vous avouer que je fais cette vidéo un peu en loose parce que je dois vous prévenir d'un truc. D'ailleurs, je vais aller dormir en fait, c'est au fond, on doit y aller nous-mêmes normalement. Mais en fait, le truc c'est déjà, on m'a dit, Boka m'a dit que. Là en fait ça va être très chiant, donc cette vidéo va être très chiante, hein, je vous précise d'avance. Parce que ce qui va se passer c'est qu'on va en gros devoir apparemment visiter l'école, aller à des endroits sans qu'on nous dise où c'est, enfin ça va être relou apparemment. Du coup le truc c'est que bon bah voilà, ça va être dans cette vidéo, donc je le fais pas avec une soluce bien qu'on m'ait conseillé d'en prendre une, parce que ça va être chiant. Et je suis fatigué, pas envie de me promener. Le truc c'est qu'en fait... là, les vidéos de Suikoden, on va le dire, hein, ça met trop de temps à avancer. Je veux dire, on n'avance pas, j'arrête pas de faire plein de trucs à côté. Le jeu, on voit que j'accroche pas tant que ça, mais faut que je me bouge le cul un peu. Je veux dire, si on reste comme ça, le jeu, je vais pas réussir à avancer. Il faut que je me motive un peu. C'est pour ça que maintenant, ce que je vais faire, c'est que, je pense, demain ou après-demain, je vais me faire un petit rush de vidéos. Voilà, je vais faire genre, je sais pas, les 5 ou 10 vidéos d'avance, on verra. Ça dépendra de ma motivation. Donc c'est pour ça que je voulais vous le prévenir maintenant. Si vous avez quelque chose qui peut arriver dans plutôt longtemps et où faut me prévenir avant, hein, que je dois réussir à faire telle ou telle chose avant tel passage, bah sachez que je vais me faire des vidéos d'avance. Donc si vous avez un truc important qui peut arriver dans par exemple 10 vidéos, dites-le dans celle-là parce que là je risque de me faire un petit rush, histoire que je rate rien d'important. Voilà, c'était pour vous prévenir. Donc oui, ça va être un petit peu moins un peu moins social avec vous, le Wakfu. J'en suis désolé. Mais bon, parce que là, vraiment, on n'avance pas. Je veux dire, faut que j'avance un peu le jeu. Bon, je l'aime bien, sans plus. Et je préfère le 1 pour le rang, ça se voit. Je veux dire, si je me motive pas un peu, on va jamais y arriver. Là, on avance trop lentement. Faut se bouger un peu le cul, voilà. Donc, j'espère que ça vous gênera pas. Que vous serez content, justement, que je vais plus les poster. Et voilà. Et j'espère que je me suis bien expliqué. Hein. Ah, je suis plus joli que vous, c'est évident, je n'ai pas à avoir peur que vous preniez mon flic. Bon, on voit qu'elle, elle est en trip sur flic et qu'elle a peur qu'on lui vole. Hein. Elle craint pas grand chose. Je suis sûr que nous serons amis par conséquent, un ami. En gros, dès qu'elles sont moins belles qu'elles, elles sont amies. Pourquoi me regardez-vous donc ainsi? Voilà, un petit air bourge quand même. Et sachez d'ailleurs que j'ai hâte de finir cette vidéo parce qu'après, j'irai manger du cassoulet avec du poulet et rien que d'y penser, je crève la dalle. Bonjour, Claes, debout! Allez, on revient à la vie. On n'est pas mort. Yaoun. On dirait que tu as transmis la maladie du sommeil à Bellica, Claes. Allons, partons. Partons où? Voilà, ça commence déjà le coup des... je ne sais pas où faut aller, mais je dois y aller. Alors, du coup, on va visiter un peu le coin. Sincèrement, je pense qu'il faut sortir. Je sais pas, je pense qu'on va sortir. Il va se passer une scène ou un truc dans le jeu. J'espère. Peut-être lui parler elle-même. Bonjour, n'avez pas encore jugé vos classes. Passez la journée à visiter l'école. Ok, bon, on va visiter l'école. L'école, c'est qu'à... Ah bah y'a flic. Claes, bien dormi. Enfin bon, n'avons pas beaucoup de temps. Il se passait quelque chose avec Shin. Je crois qu'il sait où se trouve Teresa. Je vais le chercher. Pourquoi n'iriez-vous pas voir si vous trouvez quelque chose? Les gens dorment. Les gens donneront plus facilement des renseignements du fait que vous n'êtes que des enfants. Et ne vous faites pas remarquer aussi. L'académie paraît sûre, mais la ville est... Regorge de soldats d'Aitland, soyez prudents en plus. Oh, pourquoi il est si pressé? Ah ah ah, c'est étrange, je jure que je l'aurais vu. Eh, hey, Nami, vous avez vu Monsieur Flic? Moi? Il est parti par là. Qu'est-ce qu'elle est conne. C'est vrai. Es-tu sûr que vous n'essayez pas de m'éloigner de mon cher Monsieur Flic? Ok, quoi qu'il en soit, elle y va. On va chercher Shin, d'accord? Ok, donc vous allez chercher Shin, attendez, j'ai qui avec moi? Pas de problème. Alors, Shin, c'est qui déjà Shin? Parce que là, j'ai un trou de mémoire. Et est-ce qu'on va le chercher dans l'école ou pas? Parce que je sais pas, ils ont pas précisé. Parce qu'il dit, ouais, faut prendre des renseignements, mais est-ce qu'il faut les prendre dans l'école ou pas? J'ai envie de parler surtout aux personnes importantes, parce que les élèves, j'en branle un peu, quoi. Je m'en fous. Les élèves, je pense pas qu'ils me diront de trucs importants.
Donc on va quand même parler juste aux PNJ qui ont un peu plus de classe que les autres. Et si jamais je blogue vraiment, bah j'irai voir une soluce. Hein. Hihi, bonjour. Hihi, bonjour, ok. Elle, elle est toujours aussi motivée pour me dire bonjour et hihi. Fois, ça va être chaud là. Toi, t'es un élève, ta gueule. Ah non, t'es pas un élève. Monsieur, bon, t'es un élève, ta gueule. Oh là là, j'ai pas envie de trop me paumer dans cette école, sérieux. Personne ici, à part une élève, mais on s'en fout. Attendez, je me gratte l'épaule droite, voilà. Oui, j'étais obligé d'utiliser ma main droite pour me gratter l'épaule droite, du coup, bah voilà. Quoi. J'ai dû lâcher le bouton pour courir. Y'a quoi là, tiens? Non, je pense pas qu'il y aura quelque chose, y'a même que dalle. On peut pas chercher les trucs, non, parce que je sais qu'on peut fouiller maintenant, je pense jamais, mais on peut fouiller dans le jeu, faut que je me rappelle. Peut-être à gauche, mais sinon, on va monter en haut, mais voilà. Ah là, oh là, moi je suis sûr qu'il y a un truc louche. Et moi je vous le dis, la tête comme ça au milieu, je suis sûr plus tard il y aura un truc, c'est obligé. Ça pue à 500 mètres quoi. Enfin bref. Bon là, une classe. Et on se demande s'ils écoutent les élèves parce qu'il n'y a rien. Attends une minute, c'est quoi le truc à droite? C'est une porte ça? C'est chelou mais bon, c'est pas utilisable donc on s'en fout. À droite que dalle. À droite que dalle. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a que dalle, on va aller voir vite fait. Oh non, que dalle. Chine, attendez, j'ai un trou de mémoire. Chine, c'est qui déjà? Chine. J'arrive pas à me souvenir exactement qui est Chine. Bon, on verra bien. Apparemment, en tout cas, c'est pas dans l'école, il faut se promener. Parce que je ne trouve que dalle. À moins que j'ai raté l'endroit où il faut aller. Et à moins qu'il faut y parler aux élèves, alors là, ça me ferait chier, sincèrement. Parler aux élèves quoi, mais ils ont tous la même gueule, ils sont tous, les filles ont les cheveux roses et ont un pull rose et les mecs ont les cheveux bruns, brun châtain, blond avec un pull vert. Putain, c'est dégueulasse. Apparemment faut pas venir en école, du coup c'était du foutage de gueule le coup de l'école, vieux bullshit de merde. Oh toute ta gueule, oh, en plus les PNJ parlent à mort pour rien dire. Du coup bon, on va fouiller hors de l'école hein. On va se promener, pépère. J'ai aucune idée d'où faut aller en plus, c'est ça le truc dégueu. Et j'ai super faim. Du coup, j'arrête pas de penser à manger. Et à mon poulet cassoulet avant la vidéo, pour tout vous dire. Mais j'avais quand même envie de la filmer avant de manger. Surtout qu'en plus, je peux pas rusher la vidéo. Ah bah c'est là qu'il fallait venir. Ouais, donc je peux pas rusher la vidéo, vu que justement, la vidéo... bah durera 40 minutes, ouais, je veux dire, je veux pas avancer le temps, ouais, ce serait con. Alors, soyez prudents, un tas de soldats détendaient ce matin, l'académie, bien sûr. Elle a été déclarée dans le... Attends, j'ai une grosse quelqu'un si vous êtes à quelque caisse, tu veux. Faut aller en ville alors. Faut aller reparler. Bonjour les enfants, oui, j'ai bien dormi. Oui, oui, ah non, me te répète pas, oh là là. Allons en ville. Apparemment, c'est là qu'il faut aller. C'était bien la peine d'aller à l'école. Attends, le petit avec une casquette là, il vient du futur lui. Par contre, j'ai aucune idée de qui il faut parler, sérieux. On va y aller en loose, la mail a rien à branler. Mais bon, les soldats, on doit les éviter, hein. Et par contre, putain, il y en a partout. Gauche! Gauche! Oh putain, l'expression, quoi. Gauche! Ça n'a rien de bon. Voir ce qui se passe ici. Ok, on doit pas aller vers les soldats. Mais moi, justement, ça m'intéresse. S'il vous plaît, arrêtez, nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien fait. La ferme, on a appris que Terrasé est caché au fond de cet immeuble. Ce n'est pas vrai. Qui a pu dire ça? Ah ah ah, notre informateur est un ancien soldat de Muse. Quand je pense qu'il a vendu une alliée pour si peu, vous êtes des gens vraiment lamentables. Ah, cette bataille. Ouah. Oh, Kles. Allons les aider. Attends, Kles. On est censé garder profil bas, mais bon, j'ai pas envie. Vous allez rester toute la journée comme des abrutis, si vous continuez à nous embêter, nous allons devoir tout brûler. Oula, par contre, là, ils sont de la merde. Non, je vous en prie. Je suis celui, le blond, là. Ah bah, c'est Chine. Capitaine, quelle est la raison qui vous fait agir ainsi? La raison? C'est évident. Vous ne me dites pas où est Teresa. Vous les gardez pour... Oh putain, j'en ai marre, j'arrive pas à lire, là, j'ai la dalle. Quand nous avons capitulé, le commandant adjoint a promis la fin de cette violence.
C'est vrai, si vous n'avez pas fait une telle promesse, nous vous aurions trouvé torturé jusqu'à ce que vous parliez. Comme vous le voyez, le commandant est un vrai homme pacifique. Bon sang! Très bien, trouvez où il la cache, tout de suite. Mais n'allez pas aussi loin que mettre le feu, on ne veut pas mettre notre commandant en colère, n'est-ce pas? Quelle bande de connards. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? Pardonnez-moi, bien que mes excuses ne signent pas grand-chose. C'était pas grave, la dite Teresa est en vie. Qu'est-ce que vous racontez? C'est à cause de vous que nous sommes dans cette pagaille, ce poltron de mer. Vous allez arrêter, je suis désolé, vous ne pouvez vous inquiétez pas. Oh putain, je suis vraiment désolé, j'arrive pas. Attendez, je vais boire un coup de coca. Faut que je me calme. J'arrête de vouloir bâcler. On y va tranquille. J'ai la dalle, mais c'est pas grave. Ah, le voilà, il faut le suivre. Vite, on suit Chine. Allez, suivons-le. Bon là, pour le moment, il peut aller qu'au nord. Bon, il aurait peut-être pu aller à gauche, mais je pense pas. Bon, on va aller au nord. Quoique. Je vais faire un détour d'abord, parce que j'ai un doute. Un petit tour à gauche, ce sera, ça nous coûte rien, donc on va quand même y aller. Ouais, non, je pense pas qu'il... Ouais, non, non, je dis de la merde, il est allé en haut, forcément. Ah, du coup, allons... Oula, du coup, allons en haut, putain. Il y a mon casque qui est mal positionné, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il penche un peu vers la gauche depuis un certain temps. Enfin, bref. Ah bah, tiens, cinématique. Voilà, fallait venir ici. C'est bizarre, où peut-il être allé? Hé, cette bataille dont tout le monde parle, je me demande ce qui s'est passé. Que devons-nous faire, classe? Piniqué, fatigué, on rentre au dortoir? Déjà? Putain, mais ils sont fatigués vite, hein. C'est des bouts de carton dans le jeu. Bah, allons dormir. Plus vite on dormira, plus vite on avancera, j'ai envie de dire. Allez, dodo. Finalement, on n'a rien trouvé! Tu veux te reposer jusqu'à l'heure du dîner? On n'a pas le choix. Je te verrai dans un moment alors, classe. Cool. C'était bien bon aujourd'hui aussi, non? J'ai pris plein de rab, impossible de résister. Claes, tu devrais manger davantage. Tu es en pleine croissance. Ah, bon timing, un ami. Je peux te poser une question? Quoi? Vous savez ce qu'il aime, monsieur Flick? Je voudrais lui faire un merveilleux dîner, mais je ne sais pas quoi faire. Je sais pas bien, mais... d'abord, pourquoi ne pas prendre une teinture bien tonifiante? Ou quelque chose comme ça. Et ensuite, préparer avec beaucoup d'énergie. Même si vous faites quelque chose, quelques erreurs, c'est l'intention qui compte. C'est pas une mauvaise idée. Merci, Nami, au revoir. Mais casse-toi. Ah, Nami, j'ai oublié de te dire. Ne fais pas trop de bruit la nuit. Si vous commencez une bataille de plochons, par exemple, vous allez réveiller le fantôme baladeur. Hein? C'est quoi cette connerie de fantôme? Fantôme baladeur! Il y a un fantôme ici! À minuit pile. Ah! Arrête! Arrête! J'ai peur des fantômes qui n'existent pas! Vite bien, Billika! Ne pas peur! Allez, on flippe là! Mon ami. C'est quoi ce son dégueulasse, quoi? Qui s'est gâpé? J'imagine le mec. Bonjour! Eh, Claes, as-tu bien dormi? Comment, vous ne pouvez pas dormir parce que vous avez peur de ce fantôme, c'est ça? Comment? Bien sûr que non! C'est vrai, Billika? Oh! Ouais donc. Oh putain. Oula, comment je commence à parler là? Ouais donc. Bon bah. Je sais pas si c'est important de voir qu'ils ont mort des fantômes, sûrement, ou pas. Quoi, attendez, je vais plutôt aller en haut en fait. Parce que on a vu qu'elle dormait en haut l'autre meuf là. Donc peut-être qu'elle est en haut et qu'il faut aller la voir, je sais pas, je pense pas. Mais sait-on jamais? Ce sera toujours ça de fait. Ouais, apparemment non, hein, que dalle. Bon, ouais, rien. Du coup, bah. Retournons dans la ville. Tous ces allers-retours vont finir par me tuer, mais enfin bon, c'est pas grave. Il y a mon pied qui me gratte, pour tout vous dire. Attention, plus de tabou entre nous. Hein. Ah ouais, cinématique. Où est-il parti? Putain, là maintenant, c'est les persos secondaires qui commencent à prendre la parole. Bon, bien sûr, je suppose que c'est des phrases préenregistrées. Hein. C'est pas vraiment... ça change la phrase en fonction du perso. Hein. Je suis sûr que c'est... À mon avis, des phrases qui sortent
les persos tels que l'emplacement qu'ils ont dans notre équipe, quoi. Par contre, là, je sais pas si je vous mène droit, mais je pense qu'il faut venir par là. Vu que c'était passé un truc en ville, je pense pas qu'il faille aller à l'école. Et s'il se passe rien, on ira. Je viens voir ici parce que, bon, comme pareil, qu'il y a Teresa ici, bah, sur un tour, quoi, mais bon. Je pense pas que ce sera là. Il y a un mec qui dort. Oh non, il dort, il bouge. Il dort pas, il bouge. Ok. Putain, mon pied me gratte, c'est horrible! Ouf, ouais, non, pas besoin d'aller à la maison. Je réfléchis, mais je vois pas où est-ce qu'on peut aller. Je vois pas du tout. Là, y a rien. Donc, cap vers le nord. Ah, peut-être à gauche, mais je pense pas. Parce que mon lame... Mais oh, je galérais. Ouais, il y a une meuf habillée en violette, c'est original par rapport à tous les autres de cette ville, mais elle dit rien d'intéressant. Donc j'ai aucune. Ouais, bah, il reste que l'école. Hein. En fait, à chaque fois, c'est soit la ville, soit l'école. Donc c'est cache ou cache. Attendez, par contre. J'ai un coup de lag là. What the fuck? What the fuck? Là, il y aura une coupure au montage. Hein. Attendez, c'est passé? Putain, ouais, c'est passé. Chaud, c'est passé quand je m'énerve. Il fallait que je m'énerve, c'est ça là. Oh, tant mieux. Hein. On va aller voir à droite dans la maison. À mon avis, ce sera là. Sinon, bah c'est vraiment dans l'école, quoi. Ok, non, c'est dans l'école. Finalement. Décidément, c'est vraiment le dernier endroit où je vais, quoi. Hein. Bordel. Et encore, je sais pas si c'est à l'entrée. Bonjour, Sogevin. Ça me choquera toujours. Qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce que c'est? Je peux vous aider à quelque chose? Un certain Shin. Vous voulez des renseignements sur le roi de Shin et pourquoi faire? On cherche Teresa. Oh mon dieu, vous n'êtes de pouvoir. Vous êtes sûr de pouvoir me le dire? Je croyais que vous étiez sur quelque chose. Cet homme appelé Flic, il a pas mal fourré son nez par ici. Eh bien en fait, nous. Non, nous sommes. Ouais, bon. Là, on m'a dit qu'il fallait dire. Oh, ben, en fait, nous, donc on va le dire. Parce que voilà, ça nous aidait à l'avoir plutôt de notre équipe. Vu que oui, on l'aura de notre équipe si on lit la vérité. L'armée d'Eli, je vois. S'il vous plaît, trouvez Lady Teresa, je sais qu'elle est vivante, bonne chance. Je ferai tout possible pour vous aider, je vous le promets. Elle me rejoint pas? Ok, merci, mais il est où Lord de Shin? Parce que moi j'aime bien la Chine, donc j'aimerais avoir le Lord de Shin dans mon équipe. Toi ta gueule. Bon, à mon avis, on va se promener de l'école, hein. Écoutez, il doit bien être quelque part, Shin! Putain, attendez, moi je vais retourner à gauche parce que c'est le. Sérieux, cette tête là, mais elle est louche, elle est louche. Moi je vous le dis, comme le louche. Oh, blague de merde. Mon casque m'énerve, je vais devoir songer et changer. Tenshin par ici. En même temps là, faut dire, je recherche à l'arrache. Hein. Je veux dire, je me fais pas chier, à gauche, à droite, hop hop hop, bienvenue ni connu. Marvin connaît. Ouais, non, y'a rien. La que dalle non plus. Putain, je vois pas du tout où faut aller. En même temps, on m'a dit que ce serait chiant. Effectivement, ça l'est. Et comme quoi. Il est peut-être dans une salle de classe. Pas ici, en tout cas. Putain, mais elle peut pas me dire où il est, l'autre troufionne, là. Eh, salope, dis-moi où il est. Il est au travail, ne vous inquiétez pas, je suis votre allié, ok. C'est vrai qu'il fallait juste lui parler. Hein. Ah, c'est. Eh, mais je la connais, elle! Ah! Salut, ouais, flic. C'est pas. Je vous cherchais. Ouais, je te cherchais. Avant, je voulais te demander quelque chose. J'ai moi aussi quelque chose à te dire, ça tombe bien. Alors, commence par toi. Ok, Nina, c'est vrai? C'est vrai quoi? Je me posais la même question, putain. Ah, tu ne veux dire. Tu veux pas dire le fantôme baladeur? Si! Non, tu n'as pas vraiment cru à cette vieille histoire, si? Quelle conne, ami. C'était pas vrai? Bien sûr que non. Oh, mais ces temps-ci, pas mal d'enfants voient des ombres étranges ou autres la nuit. C'est peut-être vrai, après tout.
Pas question. Enfin bon, Nanami, comment as-tu pu, toi, mon ami? Quoi? J'avoue. Ne fais pas celle qui ne comprend pas. Je traînais vers chez le seigneur flic hier et quelqu'un dans... il y a quelqu'un de sa vie. Quelqu'un qui est toujours avec lui. Quoi? Que veux-tu dire? Attends, tu ne penses pas. Je n'amènerai pas Nanami, c'est un duel. Genre, elle est en couple avec flic, quoi, tu sais. Quoi? Quoi? Tu plaisantes? Je ne te suis pas du tout. On va rester combien de temps à tourner par ici? On devrait être en train de chercher flic. J'avoue. Est-ce qu'il est, Mr. Flick? J'ai besoin d'un keuf et vite. Ok. Il est sûrement dehors, je pense. Putain. Et là, ma main. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais parfois mon perso se tape des détours vers la gauche ou la droite. Parce qu'en fait, j'utilise le bas de mon pouce. Enfin, le milieu plutôt de mon pouce. Pour appuyer sur le bouton bas de mon pas de fléché sur ma PSP. Du coup, parfois, c'est pour ça que ça dérape vers la gauche ou la droite. C'est quand je pose mon doigt sur les autres flèches. Oui, désolé pour le retard. J'ai pas le temps à arriver en évitant Nina et en tout. Qu'y a-t-il? Nina! Ouais, ils vont sûrement lui raconter l'histoire. Oh mon dieu, comment ça a pu arriver? Nous en faites pas d'amis. Les enfants ne m'intéressent pas. Merci mon dieu! Quelle conne! Un moment! Un enfant? Bon, allons à la ville. J'ai reçu des instructions hier. Nous devrions attendre Fichter. Ah, ça c'est cool. Bon, apparemment, j'ai passé la phase chiante, je crois, où fallait chercher l'autre conne là. Ouais, désolé, j'avoue. Je suis désolé, hein, je couperai ça au montage si j'y pense. Mais j'avais ça de bloqué dans le fond de la gorge. Ça aurait pu être pire. Hein. Un bébé rototo, là. Du coup, on va aller en ville et chercher Fichter. SM Fichter, oh là là. Ah bah, il arrive direct en plus. Ah bah oui, tout le monde le connaît, merde. Vous, vous ici, traître! Regardez-vous à marcher furtivement comme des suspects. Non, non, oh là là, je suis pas un traître! Si, vous l'êtes, je sais, à cause de votre accident à Muse. À cause de votre accent à Muse, vous êtes ce filou de Muse. Non, non, arrêtez, j'ai rien à voir là-dedans, je vous dis ça, oh là là. Qu'allons-nous faire maintenant? Kles, vous attendez ici, je m'en charge. Eh, que se passe-t-il? Il a fait quelque chose, ce type? Bon, je vous ai jamais vu sortez-vous de là, étranger. Eh ben oui, je suis étranger ici, et donc je ne sais pas tout, mais Renhill et Muse ne sont-ils pas frères d'armes? Vous ne savez rien, ces filous de Muse n'étaient pas ici, cela ne nous serait jamais arrivé. Ils nous ont poignardé dans le dos, trahi. Cet imbécile-là, c'est l'un d'eux. Oh là là, merci, mon dieu, gentil voyageur, aidez-moi, s'il vous plaît. Un traître, hein, il a vendu ses alliés. Il s'en sortira pas comme ça. Ouais, exactement, vous comprenez, n'est-ce pas? Oh, pourquoi moi, oulala? Je ne crois pas que ces crimes méritent un lynchage, mais... Pourquoi ne pas le décapiter? Tenez, voici mon épée. Quoi? Allons, ne vous retenez pas, vous détestez ce gars, non? Je me trompe? Mais... Alors, et vous? Non, ça va. Vous n'avez pas de cran, il va falloir que je le fasse. Yeah. Ouais. C'était une technique pour faire feu tout le monde, mais je dois dire, dans la vraie vie, je pense que cette technique n'aurait pas marché. Enfin, je sais pas. Il y aurait bien eu un pinot au loin pour les voir, quoi. C'était pas mal, je crois. Hey, Fitcher, combien de temps tu comptes rester comme ça? Oulala, sauvez-moi! Quoi? Je suis vivant? Qu'il est con, Fitcher. Je vois aucune trace de Teresa. Je suis sûr qu'elle se respecte par près d'ici. Eh ben, classe, il va falloir retourner à l'académie et glaner d'autres informations. Fitcher, voyez ce que vous pouvez trouver aussi, mais prudence. Elle avait bien peur que non. Je ne veux pas que la scène que vous vendiez de voir se reproduise. Alors, elle s'est presque oubliée. Le général qui a fait tomber Granny arrive sans 2 ou 3 jours. Ce type connaît bien l'heure, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, prudence, hein. Ouf, on est en... Où nous faut-il chercher? Oh putain, où nous doivent chercher nous, Tifo Tiba? Commence à galérer à parler, Nanami.
Bon bah on va aller vers le bas. Hein. Oh putain, faut que j'arrête de me foirer comme ça. Moi je pense faut aller vers l'auberge. Forcément. Aller soi-disant à l'auberge, Teresa. Mais bon, après on est sûr de rien. Putain, ce qu'on va pour choper Teresa quoi. Bon, y'a que dalle. Prends pas la tête, hein. Moi si je vois, je bouge. Allez, voilà. Il n'y a pas grand chose. J'espère qu'il faut pas rentrer dans les maisons parce que sinon je suis dans la merde. Hein, parce que là je compte pas rentrer dans les maisons. Mais le problème c'est que voilà quoi, je sais pas du tout où aller. Il y a la droite de la ville que j'ai pas explosée là. Explorée, pardon. Faire retourner au nord, mais ouais. Ah non, 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 je pensais qu'il fallait remonter, mais non. Ah bah y'a Nina! Ah! Nanami! Oh putain, pourquoi je parle avec la voix de Nanami? Ah, Nanami, vous êtes horrible, vous mettez encore un monsieur flic et moi. Je vous confie ça, classe. Oh, le connard. Ah, attendez, monsieur flic, pourquoi fuir le véritable amour? Il ne faut pas être si timide. Feu! Tu es fatigué, je le suis, si on revenait à notre chambre, classe. Encore? Mais c'est relou! Non, je me fais chier, putain. J'en ai marre de faire des allers-retours à la con. Tout ça pour rien, en plus, au final. Ah là c'est relou, là je dois vous le dire, là je me fais chier, hein, j'en ai marre. Hein. Que crois-tu qu'il y aura à manger ce soir? Je peux plus attendre. Oui, bah on va dormir alors. Tu as peut-être raison. Tu le penses aussi, Class? Hein? Tu as signé quelque chose? Pilika, tu attends le dîner toi aussi? Oui. J'attends vraiment le dîner, putain, ils me foutent la dalle, c'est con. Je déteste les épinards. C'est ok, j'ai tout mangé comme une grande fille. Alors voilà, Nina. Oh, Nanami. Tu as gagné de la journée, mais le duel ne fait que commencer. Du duel? Ah, mais que voulez-vous, flic, putain de merde? Hein? Quoi? Quelle question idiote. Vous demandez pourquoi? Oh putain, ils écoutent même pas, donc je vais pas me faire chier les liens. Parce qu'en plus, c'est nous qui avons commencé à la défendre ce jour-là. Quoi? Ouais, quoi? Bon, et ben, bonne nuit! Espérons que le fantôme ne se remontrera pas cette nuit. Nous, ça va, n'est-ce pas, Pilika? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, j'ai choisi la bonne équipe quand même. Bruit de chaise, oui. Portugan, ça dépend les points de vue. Glace! Oh putain, il y avait un chien loup debout dans ma chambre, c'est plutôt moi qui devrais flipper. C'est tous les coéquipiers de Kles qui étaient debout devant lui en train de le regarder dormir. Mais putain, c'est Kles qui devrait flipper, pas Nanami. T'as entendu ça? T'as entendu ce grincement? Oh, oh. Et Kles, va voir, vérifie que c'était pas un fantôme. Putain de bordel de merde. Tu es méchant, Kles, ne me laisse pas ici. Mais c'est toi qui veux que j'aille voir. Je ne veux pas qu'on me laisse partout ensemble. Ok. C'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce que c'est, pas un fantôme, c'est un chat ou quoi? Je suis sûr que c'est Teresa. Allez, on s'en branle! Putain, non! Bordel! Et on monte. C'est Teresa à tous les coups. Où est-ce qu'elle est? Non! Alors, on vite pour fuir cette salope! Soit aller à l'étage. Non, salope, salope, salope. Putain, reviens. Oh, oh, oh. Non, 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 je ne vois rien, il n'y a rien. Si, si, là en bas. On y va. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est? Aïe. Non, 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 non. C'est parti, que se passe-t-il? Il faut rentrer, partons, classe, vite. Ça me paraît louche, moi. Ouais. Ah, ouf! Quoi, ouf? Ouf quoi? Ouf quoi? S'il va, qu'est-ce que tu m'ouf là? Putain, tranquille, le mec il dort genre dans sa chambre. Même. Putain, quel bâtard quoi. Ouais.
attendez, ça me paraît louche, quoi. Je pense pas que la chose est sortie, quoi. C'est bizarre. C'est très bizarre, hein. Ouais, bon, on va aller se coucher, hein. On a rien trouvé d'intéressant, du coup. J'avoue que c'est louche, là, cette affaire, là, de la personne qui court la nuit. Vous pouvez pas rentrer? Ah non. Ah, faut sûrement aller dehors alors. Je pensais qu'on pouvait pas se traverser la nuit, mais bon. Peut-être qu'on peut, hein, je sais pas. Tentons d'aller dehors. Là, ça devient sympa, là, le coup de la petite recherche comme ça. Faire nuit, allons vous coucher. Bah, c'est ce que je voulais. Attendez, what the fuck, faut que j'aille où là? Je retourne en bas, peut-être? Peut-être caché derrière les trucs que je peux pas voir, non? Que dalle, que dalle, que dalle. Il y a forcément quelqu'un ici. Waouh, c'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Ok. C'est quoi ce truc? Attendez. Je sais pas s'il peut y avoir des ennemis, on va faire gaffe. Ouais, on est bon. On est bon là. Mais chaud quoi. Ah, je crois que là on a trouvé où était la petite cachette de Thérèse. Hein. Parce que un truc souterrain, peut y avoir que ça, désolé, mais bon voilà quoi. 33 minutes, ouais, bon là on. Bon c'est pas grave, allez on profite un peu. Là ça devient intéressant, on va pas s'arrêter en si bon chemin. C'est l'ombre noire putain. Ah le voilà, bon alors, c'est pas un fantôme. Ah comment osez-vous effrayer une femme, c'est impardonnable. Putain, on est dans l'école. Oh putain, la tête va être utile. La tête, la tête. Ok, dès que tu entends le signal, tu fonces et tu le maîtrises. Woum. Moi. Oh, poil, prêt. Partez. Wow. Qui êtes-vous? Oh, vous. Qui est-ce, enfin? Mais que diable faites-vous ici? Vous êtes fou? Ah, mais c'est flic. Ah. Quoi? Ah, j'y suis, ces flics qui se baladaient la nuit après la nuit, comme un fantôme. Mais pourquoi faites-vous ça? Qui agit comme un fantôme? Je suivais Steve Sheen, je trouvais qu'il était un peu étrange. Et malin, avec ça, l'armée Highland aussi le poursuit, alors c'était bien naturel. J'avais pensé qu'il faisait ce qu'il avait à faire la nuit. Aussi, je surveillais en attendant, et je venais le localiser. Je l'ai suivi jusqu'ici quand vous êtes apparu. Et on va vous attraper. Oui, pas de doute. Bon bah, il doit être à gauche, alors s'il le suivait, il peut être qu'à gauche. Oui, je change l'information parce que là, je vais pas laisser en bas. Hein. On est bon. Du coup, voilà, il peut être qu'ici, donc forcément, la tête est louche. Voilà, je l'avais dit, cette putain de tête, elle était louche. Encore une impasse. Pas possible, c'est vraiment un fantôme. Bien sûr que non, il doit y avoir une sorte de machine quelque part. Cherchons la classe. Bébé, vous êtes abruti ou quoi? Il y a un truc dans toute la salle. Bon, pas grave, dans tous les cas, on a combien de minutes? 35 minutes. Enfin, je voulais voir si on pouvait se warder, mais non, bon, bah, ici. Voilà, vous êtes abruti ou quoi, bande de bouchers? Il y a qu'un truc, bordel, bande de cons. Classe, tu es si sympa, c'est normal, tu es mon petit frère. Pourquoi dis-tu que je suis sympa? Venez, on y va. Je peux revenir ou pas? Mieux, je peux sortir ou pas? Parce que si je peux sortir, là, on est direction sauvegarde, hein, les gens. J'ai la dalle, moi, je veux manger. C'est fermé. Bande de connards! Ah, du coup, ouais, bah, on va y aller, hein. J'ai nulle part au sauvegarde. J'ai faim, putain. Ah, bon, on arrive derrière, en plus. Chaud, je me demande juste qu'on va marcher comme ça. Ça me rappelle le moment où on avait été avec Joey pour attaquer, pour aller en ni vu ni connu à l'espèce d'armée là. Putain merde, on n'est pas tous en top là. On n'est pas tous en top. Yep. Je vais quand même faire une attaque banale parce que j'ai la flemme de me prendre la tête là. En plus c'est le premier combat pour certains de mes alliés là, mine de rien. Enfin, certains...
Juste Chico en fait. Ah, là, auto et je les bute. Comme ça, ça va en faire level up certains, c'est cool. Quand l'autre qui tape du 2, quoi. On sent que ça rend avec la magie, faut attaquer. Pas envie d'utiliser de la magie, enfin, pas envie de faire attaquer tout le monde automatiquement, quoi, c'est chiant. Je sais, je pourrais soigner Luc, mais la flemme. En espérant que je prenne le bon chemin déjà. Hein. Et apparemment, j'ai un petit bug de texture, c'est dès qu'on se lance, le jeu devient blanc, je sais pas si vous avez vu. C'est bizarre, je pense que ça, c'est un bug. Hein. Qui sait. Ah, donc Chico, il est vénère là. Hein. Auto, c'est bon. Voilà, ni vu ni connu, on gagne une bataille et puis on continue notre aventure. Oh, j'ai gagné des souliers orteil, j'en ai toujours rêvé. Putain, c'est chiant là, les combats. Mais bon, on va quand même le faire parce que bon, voilà quoi, XP oblige. Même si j'espère que c'est pas un donjon le truc là, parce que bon, un donjon maintenant, c'est pas le cas. Putain, l'autre qui fait des coups critiques, mais avec une attaque normale quoi. Enfin, remarque, c'est une attaque, c'est son attaque, mais bon, elle fait tellement peu mal que bon, on n'y croit pas quoi. Non, ne le mange pas! Mais il a que 44 PV! Oh, c'est quoi ça? Putain, l'attaque mitraillette là que j'ai évité. Voilà. Allez, attaquez, tuez-le. Ah là, tranquille. Par contre, faut que je rende vie à Luc parce que sinon, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Un objet, ah oui, remède. Luc, où est-ce qu'il est là? Ah là, on est tranquille. J'espère qu'il fallait pas aller à droite hein, parce que vous avez vu qu'il y avait plusieurs chemins, donc bon. C'est long là, parce que j'ai une forêt comme ça, on se croit dans la FF13, c'est une ligne droite là le truc. Qu'est-ce que c'est ça, l'air louche hein. Tu m'étonnes, ouais. Ça doit être la cabane hantée du fantôme. Putain, mais elle est encore dans son trip l'autre. Enfin bon, faut vérifier. Je savais que nous serions découverts un jour, mais madame doit rester encore un peu ici. Hé, hey, attendez, nous sommes... Taisez-vous! Putain, quel enfoiré! Nous sommes vos alliés. Je ne peux pas considérer comme un allié puisque je ne vous connais pas. Désolé, mais je ne peux pas vous laisser la vie. Chouari va nous tuer. Vous refusez de nous écouter? Vous cherchez la bagarre? Vous allez voir, nous sommes pas comme les soldats d'Aitland. Avec ma... Oh là, du calme. Avec ma lame Tarantula dans les mains, je n'ai peur de rien ni de personne. Si on parle des raisons de ne pas perdre, nous en avons aussi. Non! Sniff! Ouais! Les enfants? Pourquoi? Parce que... Shin, je vous en prie, arrêtez. Maladie, ces gens! Il y a eu assez de violence, je vous en prie. Shin, s'il vous plaît, arrêtez. À un moment, nous ne sommes pas là pour vous capturer. Je suis flic de l'armée d'Ali et voici notre chef classe. L'armée d'Ali? Rejoins-nous, femme! Et tu deviendras riche et célèbre! Wouh! J'ai la fête! Alors, vous devez donner votre parole que vous êtes bien l'armée d'Ali. Bah, on donne notre parole, hein. Même s'ils sont de l'armée Aitland, on n'a pas besoin de prendre des moyens s'ils tournent Chine. Lord Kless, pourquoi auriez-vous pris tant de risques rien que pour me voir? Nous sommes là pour vous sauver. Non, ça me l'a sauvé. Vous êtes venu me sauver? Oui, parce que notre puissance militaire est encore un peu faible. Nous ne sommes pas en position de gagner la guerre contre Island, même avec l'aide de Tworiver. C'est pourquoi, Lady Teresa, nous avons besoin de vous. De moi? Non, c'est de la puissance de Granil que vous voulez. Pardonnez-moi, Orskles, j'ai peur de ne pas pouvoir vous aider. Pourquoi ça? J'ai fui seul et abandonné mes citoyens, je ne suis plus maire adjoint de Granil. Je ne veux pas d'une bataille comme ça pour vous. Il était devenu évident que Aitland n'était pas après Granil. Oh là là! De sorte que les citoyens se préparent à se battre. Je suis crevé, je suis désolé. Oh, on en apprend sur le passé de notre chère personne.
Aiton a libéré les prisonniers à deux muses et tous les soldats sont venus à Granil. Tout d'abord, tout le monde se réjouissait, ne connaissant pas la vraie raison de leur arrivée. Aitland a rendu les armes qu'ils avaient confisquées aux soldats de Muse. Bien que sceptiques, la plupart des citoyens ont pensé qu'ils devaient y avoir à Aitland un commandant ou autre qui souhaiterait une bataille équitable. Plus que tout, le gonflement des forces militaires par soldats de Muse avait une valeur inestimable pour le moral des citoyens découragés. L'armée à Aitland est arrivée très vite et les citoyens se tenaient prêts à battre cependant. L'armée à Aitland entamait un siège sans faire signe d'attaquer. Quelle bande de PD! Augmenter les soldats de Muse, l'armée de Granil avait presque doublé les vivres, diminué à une vitesse alarmante. Putain, je galère à lire un mot quoi. What the fuck! Très vite, un conflit éclata entre les soldats et les citoyens à cause des provisions réduites. Les citoyens pensaient que la nourriture était pour Granil, mais les soldats de Muse pensaient qu'elle était pour le combat. Et alors, on en arrivait aujourd'hui, suivons. Le soldat de Muse se ravalait prenant les magasins de force et jetant la ville dans le chaos. Il paraît évident maintenant que Aitland devait avoir rendu les armes aux soldats de Muse uniquement dans cette optique. Oh, ils avaient tout prévu, quoi. Et donc, nous, face à l'armée d'Aitland, nous avons été vaincus sans même nous battre. Voilà, c'est passé. Les camarades de combat se tuent les uns les autres pour la simple nourriture. Il nous en reste plus que... Oh là. Il nous est plus resté que de la méfiance envers les autres. Et moi, maire adjoint de Granil, je n'ai pas pu empêcher ça. Pardonnez-moi. Lord Claes, je ne veux pas vous aider. S'il vous plaît, rentrez chez vous. Bonne idée. Tout ça pour ça, quoi. Excusez-moi, vous devriez quitter Granil au plus tôt. Je ne dis pas que je me méfie de vous, mais si l'armée Aitland découvre où se trouve Teresa, je vous traquerai. Quelle bande de connards! Ne me menacez pas! Vous appelez Shin, c'est ça? Que comptez-vous faire? Vous ne pouvez pas rester caché. Et il nous faut encore un peu de temps, hein, Lady Teresa a parlé aussi. Ouais. Ça alors, nous avons fait tout ce chemin et trouvé Teresa pour rien, j'ai l'impression! Ouais. On dirait que tout cela était inutile. Claes, nous quittons Granhill demain. Sniff. Putain, genre le chien qui dit sniff. L'armée d'Aitland est sûre de nous trouver tôt ou tard. Ah bah, au final, on est venu bredouille, quoi. Bonjour, Claes. Alors aujourd'hui, on dit adieu à cette école. C'était, qui dirait, amusant. La cuisine était délicieuse. Pour ce qu'elle a bouffe, elle. Bon, du coup, allons sauvegarder les gens, même si je pense qu'on aura des cinématiques avant. Pour notre plus grand bonheur ou malheur, ça dépend du point de vue. On peut pas sauvegarder là, ouais, dommage. Ils auraient dû prévoir un point de sauvegarde ici, hein, ça aurait été bien pensé, mais non. Je peux bouger, attention. Alors la question c'est, est-ce que je vais réussir à... Oh putain, ouais, non, je peux pas, c'est pas possible. Vous êtes sûr de ne rien avoir oublié? Nous reviendrons pas de sitôt, vous savez. Un moment. Bien, dépêchez-vous de faire ce que vous voulez faire. Donc moi, ce que je vais faire déjà, c'est aller chercher la maîtresse d'école si on peut. Toi, viens, femme. Du travail, ne vous inquiétez pas, je suis pas travaillé. On peut pas apparemment. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est aller se varder. C'est important ça. Et on va s'arrêter là. Si possible dans les commentaires, dites-moi si faut chercher quelqu'un avant de partir. Parce que là j'ai l'impression qu'il faut récupérer la meuf là. Celle qui en kiffe sur Victor. Ça me paraît très logique en tout cas qu'il faille l'emmener avec nous. Mais je sais pas où elle est. Enfin je veux une confirmation en fait, c'est tout. Et puis comme je vous l'ai dit, bah voilà quoi. Là je vais rusher les vidéos de mon côté. Donc si vous avez des choses à me dire beaucoup plus tard, n'hésitez pas à le dire maintenant. Je vais rusher 10 vidéos, après je veux dire c'est pas non plus un rush total. Du coup, sauvegardons. Hop, sauvegarder les données. Voilà. Donc les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine. Pour la prochaine vidéo de Suigoden 2. Voilà, voilà. Par contre, attendez avant. Oh non, ça sert à rien. Oh bah salut les gens, voilà, j'ai fini ce que j'avais à faire. Ciao bye tout le monde !